La Bible à la Une, Étienne Daller. Cette semaine, nous nous interrogeons sur les changements dans l'opinion publique, sur des sujets particuliers, allant parfois d'un extrême à l'autre. Et nous voulons souligner ici le rôle essentiel des médias dans ce que nous pourrions appeler la manipulation des foules. La psychologie des foules remonte à la fin du XIXe siècle, notamment à travers un ouvrage publié par Gustave Lebon en 1895. Cette étude qui part du principe qu'une foule ne se comporte pas comme un individu multiplié par 100, par 1000, par dix mille, etc. Mais qu'elle a un comportement particulier. Une foule est considérée, dans cette étude, comme une entité psychologique particulière, irréductible aux individus qui la composent. C'est-à-dire que la foule, ce n'est pas un plus un plus un plus un au niveau de sa perception, au niveau de son analyse, au niveau de ses réactions. La foule est donc distincte du simple agrégat d'individus. La psychologie de foule est indépendante du nombre de participants à cette foule. Et même, elle ne nécessite pas forcément que les gens soient rassemblés au même endroit. Voilà ce qui nous intéresse à propos des médias, qui touchent les individus séparément, chacun chez eux. Des milliers d'individus séparés peuvent, à certains moments, dit Gustave Lebon, sous l'influence de certaines émotions violentes, acquérir les caractères d'une foule psychologique. Des individus séparés. Et, également, à certains moments, une demi-douzaine d'hommes peuvent constituer une foule psychologique, tandis que des centaines d'hommes réunis par hasard peuvent, ne pas la constituer. Autre caractère souligné par Gustave Le Bon, la foule psychologique est un être provisoire, formé d'éléments hétérogènes qui pour un instant se sont soudés, comme par exemple à l'occasion de l'écoute d'une allocution présidentielle particulièrement importante ou bien suivre passionnément l'équipe de France de foot lors d'une finale de Coupe du monde. Selon l'étude de Gustave Le Bon, l'individu en foule acquiert trois caractères que l'on ne trouve que dans l'état de foule. 1. L'irresponsabilité. Un individu en foule peut avoir un sentiment de puissance invincible et voir ses inhibitions s'effondrer. Il pourra alors accomplir des actions qu'il n'aurait jamais accomplies tout seul. Deuxième caractéristique, la contagion. Enfin, troisième caractéristique, la suggestibilité. L'individu faisant partie de la foule voit sa conscience s'évanouir, il n'a plus d'opinion personnelle ni de passion qui lui sont propres, cela explique que des foules puissent prendre des décisions, allant parfois à l'encontre des intérêts de leurs membres. Nous constatons que nous sommes dans ce domaine en présence d'un phénomène tout particulier.